Bon, l'avantage avec la limite de 10 km, c'est qu'il y a personne. Voilà, sommet de Chamchaud, avec la dent de Kroll et la chaîne de Beldon. Plus qu'à redescendre maintenant. Bon, je vais essayer de frayer un passage entre les cailloux. Il y avait vraiment juste ce qu'il fallait, hein. Les derniers mètres, ça va se faire à pied.